Peuple bien-aimé sur la terre, bien-aimé. À 3 ans pour un siècle, je veux dire 97 années l'un après l'autre, le colon pendait sur la terre de nos aïeux, Douala Mangabel. Douala Mangabel, le roi des rois, comme dit le peuple Sawa, est mort une seconde fois, tué cette fois-ci, non pas par le colon, mais par les descendants absents des cérémonies commémoratives du 97e anniversaire de sa mort. Ni les rois Bamoun Bamileke, Beti Banyu et bien d'autres encore, qui s'étaient alliés à Douala Mangabel contre le colon, n'ont pensé à lui. Il y a un siècle, les rois de nos peuples étaient unis et les peuples unis pour un pays uni. Diviser pour mieux régner est la leçon laissée par le colon à ses valets Aïdjo et Bia. Douala Mangabel s'efface lentement sous le silence complice et insidieux de tous. Pouvoir public, roi Sawa descendant du martyr, mais aussi et surtout des journalistes, des historiens du présent qui ont ignoré l'événement. Fallait-il qu'il soit homosexuel ou détourneur des derniers publics pour mériter les attentions de la presse? Je ne peux pas le dire. Dans la ville de Douala, village de l'ancêtre martyr, Douala Mangabel, se dresse le monument du maréchal Lerlec, le colon. Il y a donc péril sur notre culture et notre histoire, et par devoir de mémoire, il y a une impérieuse nécessité. Il faut exhumer Douala Mangabel des profondeurs abyssales de l'oubli. Vraiment, il faut le faire. C'est une affaire de tous, de tous les peuples, sans distinction de sexe, de tribu, de chapelle politique. Comment pouvons-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas où nous venons? Peuple bien-aimé sur la terre bien-aimée, au moment où je vous offre ce scoop, l'invité du SDF un jour avant sur Cameroon Voice a commencé et a fini son intervention sans rendre un hommage à Douala Mangabel. Notre souveraineté, notre dignité, notre histoire et notre identité est la clé de tout le reste. Il le pend encore une fois de plus dans son intervention en traitant une partie du peuple de francophones qui ne connaît pas la lecture politique. Comme s'il existait des tribus françaises en Afrique ou des tribus anglophones. Une fois de plus, c'est amer. Le représentant du SDF pour nous évanouir, il nous dit qu'il simplifie son français pour permettre la compréhension à tous. Comme si c'était une faveur. Et lui, il parlait et comprenait mieux la langue du colon. Monsieur Paul Biya s'était déclaré meilleur élève de la France alors qu'il s'arroguait le titre du président du peuple de Douala Mangabel. Notre souveraineté, notre dignité et indépendance ne se garantit pas par des assimilés, mais par des libérés. Comment pouvons-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas où nous venons? Oh! Comment pouvons-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas où nous venons? Eh oui! Monsieur Tchatoua, merci! Tu es la source de cette inspiration. Comment pouvons-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas où nous venons? Comment pouvons-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas où nous venons? Merci. Merci. Merci.